Yo les gars, c'est Tatrax et on est là pour une nouvelle vidéo. Alors la vidéo, ça sera sur de la saison les gars, parce que voilà, j'ai vu des commentaires, j'ai vu qu'il y en avait qui parlaient trop et du coup voilà, il fallait rectifier un petit peu le tir. Donc, comme vous le savez, en ce moment je suis plus orienté fut, mais voilà, j'ai pas lâché. Pour autant, la saison, même si je mettais pas de vidéo, voilà, je jouais de mon côté tranquillement. Et pourquoi tranquille? Bah, parce que voilà, je faisais des vidéos avec l'équipe de France, mais pas que. Je jouais avec Naples, Inter, voilà, ça marchait pas trop. Et sincèrement, voilà, si j'avais continué avec l'équipe de France, je pense que j'aurais été en division 1 avec moins de 10 défaites, c'est sûr. Donc là, pour ce soir, j'ai fait deux matchs avec Watford, les gars. Je vais faire la tactique, instruction, etc. avec vous. Et pour ceux qui veulent voir le score des matchs, comment ça s'est passé, etc. Et ben, je vais laisser les meilleures actions juste après. En tout cas, sachez que mon ratio, il est de 55-14. J'ai déjà fait mieux. Moins de 10 défaites. C'était... pas sur FIFA dernier, parce que FIFA dernier je faisais un peu de conneries. C'était celui d'avant, le 18, voilà, c'était moins de 10 défaites. Là sincèrement je vous dis, j'ai fait 14, mais si j'ai pas pris Monaco, si c'est sûr que j'aurais pu faire mieux. Sachant que les gars, c'est pas tout, j'ai un autre compte Xbox pour pouvoir faire justement des matchs, des conseils, etc. pour les gens qui galèrent un peu. Donc pour ceux qui galèrent un peu les gars, tout ce que je peux vous dire c'est faites comme moi, mais faites pas comme moi en fait. C'est à dire que j'ai trouvé ma tactique. En fait l'astuce, ça va être de avoir la meilleure tactique où vous êtes à l'aise pour attaquer. Vous voyez, même si ça rentre pas, le fait d'attaquer, et vous, quand vous êtes à l'aise, c'est cette tactique-là qu'il faut. La défense, les gars, on s'en tape. Il n'y a pas de tactique, la meilleure tactique pour défendre. Ça, ça n'existe pas. Pourquoi? Je vais vous le dire. Fin de match, début de match, vous êtes en forme, pas en forme. L'adversaire, sa compo, elle marche ou pas, ça passe. Dans tous les cas, les gars, vous dites-vous bien que ça va passer. Pour lui, ça va passer. Le problème, c'est vous. Des fois, vous sentez que ça passe pas. Et en fait, c'est ça le problème, c'est trouver une compo où ça va passer quand même. Donc moi, j'ai trouvé la mienne. Et c'est pas un secret, parce que ça fait longtemps que je joue avec celle-là. C'est le 4-2-2-2, les gars. Et même sur FUT, maintenant, je joue en 4-2-2-2. Vous pouvez voir sur mes anciennes vidéos de cette chaîne que les autres vidéos que je fais en saison, c'est aussi en 4-2-2-2. Deux milieux défensifs, 4 défenseurs, 2 ailiers et 2 BU, les gars. C'est, pour moi, c'est... voilà. Quand tu te retrouves avec un ailier qui déborde, et il se retrouve avec deux attaquants plus un machin, et des fois le MDC il monte, je peux vous dire que ça fait du monde à la récup. Et c'est pour ça que voilà, moins de 14, j'ai fait division 1. Donc c'est sur cette équipe là, mais ça marche avec beaucoup d'équipes, cette tactique là. Au niveau des instructions, donc je le répète, je le montre une dernière fois. Non, en fait je vais le montrer tout le temps. Axial, dos de la défense, devant. Axial, dos de la défense, devant. En fait, il n'y a pas de point d'appui sur cette compo-là. C'est que aller vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. En fait, c'est ce que je vous dis, les gars. Si vous voulez avoir un beau gameplay et tout ça, vous mettez un MOC, vous mettez un pivot, comme ça, ça fait beau et tout. Si vous voulez quelque chose de performant, les gars, on s'en fout de comment c'est fait. Voilà. Peu importe. Vous savez, l'adversaire... si lui il tire une fois, il cadre une fois, il marque une fois, et vous faites 20 tirs, vous cadrez 20 fois et vous en mettez aucune, mais pour lui en fait, pour lui c'est lui qui a gagné. Même s'il a subi tout le match, c'est lui qui a eu raison, et il a raison. Mais comme je vous dis, il faut tirer, 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 planter, planter, tirer, planter. Et moi c'est avec cette compo là que j'arrive à tirer et à planter. Pour les ailiers, restez devant, déborder et rester aux abords de la surface. J'aurais pu mettre
dans la surface, mais je l'aimais pas. Pourquoi? Ben, parce que quand lui peut centrer très fort de l'autre côté, je peux vous garantir que ça fait mal. Restez derrière en attaque, voilà, et c'est tout. Restez derrière en attaque, et pareil pour les latéraux, restez derrière en attaque, les gars. Pour la tactique, pardon, on me l'a pas demandé, mais je la montre quand même, les gars. Équilibrer long ballon, voilà, je cherche pas à comprendre. Équilibrer long ballon, voilà, comme ça vous voyez tout. Voilà, là il n'y a plus de secret, les gars, c'est pareil quasiment à chaque fois. Pour moi, pour ma part, c'est quasiment pareil à chaque fois. Je vous laisse avec le gameplay des deux matchs que j'ai fait en Division 1. Donc, je le remontre pour les sceptiques. Vous voyez, il est là, le logo Division 1. Voilà, il n'y a pas de mytho. Il n'y a pas de... je me fais enculasser ou quoi que ce soit. J'ai fait 10 saisons, je crois. Voilà, saison 10. Si vous voulez que je joue avec une équipe, en particulier les gars, en Division 1, ok, mettez-le-moi en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Parce que je sais qu'il y a quand même des amateurs de saison. Donc, si vous avez une galère, les gars, quoi que ce soit, si je peux essayer de vous aider, les gars, je vais essayer de le faire. C'était Trax. Je vous laisse avec le gameplay. On se retrouve à la prochaine. Peace.